Et donc le voici, le voilà, Mad Moon, étalon au Haras du Sas, qui va entamer sa deuxième saison. Vous venez de le voir finir deuxième du Derby d'Epsom, le fameux Derby d'Epsom, dans une arrivée très serrée. C'était un excellent cheval de course, Mad Moon, chez Marcus Tregoning. Il était invaincu à 2 ans, avec un rating qui en a fait l'un des meilleurs 2 ans irlandais. Il avait remporté groupe 2 à cet âge, notamment les Champion Juvenile Stakes. Et ensuite, il a été deuxième du Derby d'Epsom, placé des Guinées, placé de l'Irish Derby. Et il a encore gagné un groupe à l'âge de 3 ans. Bref, un cheval de course assez exceptionnel. Grande souche de Hamdam Al Maktoum, puisque c'est un cousin de Otad, qui lui-même a été un gagnant classique pour les couleurs Shadwell. Et c'est la ligne directe de Seattle Slough, un grand chef de race américain. Donc voilà, son père Don Approach, un étalon qui a essayé de manière privée pour le Jim Bolger ces dernières années, mais qui s'est mis en avant en 2021 avec le champion du mile Poetic Flair, qui a couru je ne sais combien de groupes 1 et en a gagné pas mal, puisqu'il a gagné les St. James Palace Stakes, les Guinées anglaises, et qu'il a également terminé deuxième du Jacques Lemarois. Donc voilà, un père d'actualité. Ce Mad Moon a donc entamé sa première saison au Haras du Sas l'an passé. Joli cheval qui est proposé à 2500 euros, un deuxième de Derby d'Epsom, messieurs, dames, tout de même, la course qui fait les étalons, voilà pour Mad Moon.